Eh bien, c'est tout, mes gens, c'est 58 pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est là une vidéo assez spéciale. Comme vous pouvez le voir, on est sur Minecraft. Donc, j'ai pas du tout fait de vidéo Minecraft. De toute façon, je comptais vous faire plusieurs vidéos Minecraft. Mais puis j'avais la flemme de le faire, et puis ça m'avait saoulé et tout. Et du coup, là, avec l'arrivée de la 1.9, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur les nouveautés de la 1.9. Bon, alors, du coup, comme vous pouvez voir ici, j'ai un petit truc. Navire, en fait, simplement parce que j'aimais les navires, du coup j'ai commencé à craft un navire, et en fait je comptais faire une grosse map que j'allais vous présenter avec une base militaire et tout ça, et je comptais vous faire une série sur ça avec des accélérés sur les constructions et tout ça. Ça serait plutôt pas mal, mais ça prend vraiment du temps et ça prend même plusieurs jours. Du coup, faudra faire un ensemble de montage, ce serait plutôt chaud. Alors, du coup, comme vous pouvez voir là, on apparaît comme ça ici. Alors déjà là, ça bug un peu parce que je suis un peu désolé. Dans le coffre, y a rien. Déjà, je suis en mode solo. Par contre, là, le bug. Alors, c'est quoi? Non, ça va? Ouais, c'est bon, ça. Non, mais grâce à ça, c'est un jeu qui bug pas trop encore. C'est pour ça qu'il est plutôt pas mal comparé à Steam. Alors, du coup, on va juste se mettre en game mode 1. Voilà, parfait. Alors, je vais un peu vous présenter ce que j'ai fait. Donc, là, vous voyez, j'ai un peu modifié le village PNJ. Après, ça, on s'en fout un peu. J'ai un peu rallongé aussi la route, comme vous pouvez voir ici, elle va jusque là-bas. Du coup, si tu veux juste bien charger la map, allez, merci. Ok, bon, je crois que j'ai fait aussi un truc plutôt pas mal, genre une entrée de grotte, un truc dans le genre. C'était, ouais, je m'en rappelle, j'avais mis assez du temps à le faire. C'était là. Je crois que c'était là. Ah bon, c'est quoi? Je crois que c'est ça de l'autre côté. Donc là, vous pouvez voir déjà le premier petit navire. Donc pour l'instant, c'est vraiment tout petit. Déjà, si tu veux bien charger. Allez, allez. Voilà, merci. Donc là, vous pouvez voir qu'il a fini de charger. Donc il est vraiment plutôt pas mal. Vous pouvez voir que j'ai mis des canons en disposition ici, ici. Il m'a pris à peu près 2 heures à le faire, donc ça va. Désolé si vous entendez le bruit des claviers, hein. C'est vu que le micro il est assez près, je vais essayer un peu de le bouger pour plus vous entendez plus trop. Non, là ça devrait encore aller. Alors, déjà, est-ce que tu voles? Voilà. Voilà, du coup, là voilà les petites présentations. Petit gouvernail. Ensuite, là, les cales, hein, rien de bien gros, hein, juste des trucs comme ça là. Avec, je crois, une cabine là de capitaine. Voilà, une petite cabine comme ça. Plutôt pas mal. Non, j'en ai toujours un mis dans le coffre. Ouais, donc avec aussi des petites portes. Ouais, je vais bien avancer, merci. Non, faut que tu descends par là. Voilà. J'ai surmis aussi les portes, donc ça fait beaucoup plus swag. Voilà. Alors, sinon ici, je crois qu'on pouvait aussi passer. Ouais, là c'était genre un petit truc de prisonnier, genre t'enfermes quelqu'un comme ça. Enfin bref. Bon, vu que c'est un peu une aventure en solo, à part enfermer un zombie, je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait. Bon, alors, du coup, l'attaque. Et du coup, je voulais encore vous montrer. Ouais, donc l'autre côté, je crois que c'était en face. Donc, c'est quoi, je vais là vous montrer la première nouveauté. Donc, alors, déjà, on a des nouvelles flèches. Donc, comme vous voyez, la flèche de spectacle, c'est toujours simplement des flèches avec les enchantements. Donc, les enchantements comme ça. En fait, il faut tout simplement que vous recevez une flèche pour avoir le truc. Après, il y a ça qui est plutôt pas mal. Le bouclier, je vais aussi prendre une petite épée. Et je me semblait que voilà, il y avait des chorus. Donc ça, je sais pas trop comment ça apparaît, je suis jamais encore vraiment regardé. Je sais juste qu'il y a des chorus aussi ici là. C'est vraiment plutôt un beau bloc. C'est vraiment pas mal pour les constructions. Construction pimp. Ça sera plutôt pas mal. Je mettrai dans mes vidéos, vous inquiétez pas. Du coup, qu'est-ce que je vais encore vous montrer? Donc là d'hiver, il n'y a rien qui a changé. Je crois pas, non, il n'y a rien. Ensuite là, voilà, là il y a ça. Et il y a des bateaux de plusieurs couleurs. Donc c'est tout simplement les bois. Bon, là nous on va prendre le sombre. Ok. Ah, sinon là il y a aussi de la soupe de betterave avec ici. Je crois qu'il y avait de la betterave là quelque part. Ouais, voilà ici. Du coup, dans le combat, à part les flèches, je vais quand même vous en présenter une. Par exemple, flèche vision nocturne. Flèche de spectacle, elle fait absolument rien. Flèche de dégâts par exemple, et bah, évidemment aussi un arc, hein, sinon je sais pas trop comment on pourra le faire. Alors outil, non, et nourriture, il y a juste la betterave. Ok, c'est tout. Et en potion, il n'y a rien qu'à changer, hein. Si, si les potions de saut, ils les ont enfin mis, enfin. Et des potions de chance, j'ai encore jamais non plus test.
Ouais, du coup, on va tester tout ça. Bon, alors, déjà, je vais me mettre en mode. D'abord, déjà, je vais pédaler. Enfin, je vais faire le bateau. Bref, vous m'avez compris. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal aussi, hein, franchement. On va pas se mentir. Ouais, plutôt pas mal comme truc. Donc, là, je commence à construire le mur de tout simplement la base. Donc, là, en fait, c'est tout simplement une porte de haut. Là, vous voyez pas trop, mais en fait, c'est une porte. Non, le mur il continue comme ça ici. S'il veut bien charger, voilà, ouais. Nous, on va juste passer par là-bas parce que là-bas, j'ai fait un petit passage pour rentrer. Donc, c'est aussi plutôt pas mal. Il n'est pas du tout secret, mais bon, voilà. Alors, ouais, c'est sur cette île, je crois. Vous voyez qu'on va déjà beaucoup, beaucoup plus vite que l'ancien bateau, ça c'est sûr et certain. Donc là, vous voyez, petit passage comme ça, plutôt swag. Comme ça. Et en plus, il peut pas non plus se détruire, ça c'est vraiment la grosse nouveauté que j'aime bien. Voilà, super grosse nouveauté. Donc là, vous voyez, on arrive là, comme ça, on descend. Tac. Désolé si y a beaucoup de bruit, en plus, bruit de touche, surtout que ça fait un peu longtemps que je peux jouer à Minecraft, du coup, j'ai un peu perdu la main. Donc là, vous voyez, on peut passer comme ça, du coup, je juste ferme la porte. Un peu système compliqué. Le bruit des portes a changé aussi, je crois. Ouais, un peu. Donc là, vous voyez, on monte comme ça. Là, il y a un petit chemin. Là, je continue parce que là, non, on sera dans la base. Donc là, vous voyez, le mur, normalement, vous voyez pas, mais en fait, c'est juste mis sur un bloc. Là, vous voyez un peu là. Là, il passe comme ça. Je crois qu'il monte ici. Là, il passe là. Là, regardez juste en dessous du nuage. Là, voilà. Et du coup, là-bas, il continue, rejoint là-bas. Ok, alors l'autre chose que je voulais vous montrer, du coup, celui-là, celui-là, c'est bon, il est montré. Parfait. Celle-là, je vous montre à la fin. Et le bouclier, on va juste regarder. Donc, on va tout simplement le mettre dans l'autre main. Et donc, on peut faire comme ça. Bon, voilà. Du coup, on peut se mettre comme ça. Et on peut parer tout simplement les attaques. On peut s'y mettre l'épée à la place. C'est aussi pas mal. Hein. Ça, tu peux faire. Tu peux faire. Non, tu peux pas. Oula. Je crois qu'il faut être en mode solo pour le faire. On va juste se mettre. Alors, ça lâche. Tu vas juste mettre 0, voilà, comme ça. Alors du coup, faut faire comment, non? Non, en fait, il faut tout simplement, je crois, vraiment mettre ça comme ça, voilà. Comme ça, là, on est bon. Oula. Ouais, comme ça, on est bon. Donc là, vous voyez, on peut parer, après on attaque, on parer, on attaque. C'est vraiment, l'1.9, je trouve que c'est vraiment une des grosses, grosses nouveautés. Et aussi l'1.8, je crois qu'il y avait les chevaux et tout. Alors franchement, Minecraft, ça commence vraiment à devenir de plus en plus intéressant à jouer. C'est pour ça que je me suis dit, je vous fais une vidéo. Et puis surtout, le The Best, c'est celui-là, hein. Je vais vous montrer à la fin, c'est juste un truc de ouf, ça. C'est vraiment vraiment mon coup de cœur sur la 1.9 tout simplement. Alors du coup celui-là je vous ai présenté. Allez. Ouais, vraiment plutôt pas mal. Je pense qu'on a PVP, ça risque vraiment plutôt pas mal aussi. Donc le petit lapin c'est cool. Alors, on va se remettre en slash et mode 1. Voilà, parfait. Du coup, ça tu peux le jeter. Et le bouclier aussi. Tac. Voilà, tu vas juste aussi prendre un petit minecart. Je vais un peu vous présenter le circuit. Il est assez long, mais je suis assez fier du circuit. Si tu voudrais juste bien, il y a un lapin qui bloque. Descends, SVP, tu peux juste un peu bouger. Ouais, performant, bien sûr. Alors, voilà, du coup, là on commence comme ça. Ouais, là donc, petite grotte tranquille. Là, normalement, SVP. Voilà, du coup, là on monte super super haut. Ok, d'accord. Bon, alors du coup, nous on va juste continuer un peu notre route parce que j'ai pas envie de refaire 15-20 fois le chemin. Alors, du coup, juste si on regarde à combien de temps on est, 2 minutes, on est déjà à 8 minutes. Ouais, bah, l'épisode il va à peu près durer 20 minutes, sera plutôt pas mal aussi. Le circuit, franchement, j'ai un peu passé du temps là. Vous pouvez voir qu'il y a un petit passage, donc là il passe tout simplement sous l'eau. Ça m'a vraiment pris du temps. Ça m'a pris à peu près 2 heures, je crois. Ce qui est pas non plus énorme dans les constructions, mais pour des constructions comme ça, c'est assez énorme, ouais. Alors, du coup, là, petit passage, c'est un peu chiant, désolé. Donc là, on passe vraiment au-dessus des nuages, c'est vraiment plutôt pas mal. Je crois que j'ai fait la limite de bloc, je suis même pas sûr. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ouais, du coup, là, donc là, petite chute libre. Donc là, je l'avais vu tout simplement dans une vidéo, du coup, j'ai voulu tester. Et ça a tout simplement marché. Donc là, non, on se rattrape. On se rattrape comme ça, voilà, parfait. Donc là, on descend tout vite dans le souterrain. Donc là, on va descendre normalement jusqu'au fond de la map. Donc ça aussi sera plutôt bien. Donc là, vous pouvez voir les blocs de fond de map là. Je sais pas comment ils s'appellent. Enfin bref. Et du coup, là, on passe comme ça. Si tu veux bien, merci, bug. Du coup, on en passe comme ça. Ouais.
Et du coup là je crois que j'ai fait passer dans une plutôt belle grotte. Je crois, normalement là ça va y avoir. Voilà, là c'est plutôt magnifique, on va pas se mentir. Avec des blocs de diamants et tout ça. Enfin bref, bon du coup vu qu'on va assez vite, normalement là il y aura aussi un lac là quelque part là. Là normalement ici. Voilà, vous voyez là où il y avait les blocs d'or. Bon du coup là en fait on refait un petit chemin, vous allez voir en fait. En fait c'est complètement fait exprès, en gros là sur le chemin on le refait pour après continuer le circuit. C'est vraiment un truc tout pas mal. Au début je voulais continuer le circuit mais je me suis dit non, ce serait plutôt pas mal si je fais comme ça. Autant utiliser deux fois les rails comme ça. Alors du coup là on repasse dans la petite belle grotte normalement. Non pas du tout, ok merci du vent. Ah mais on est déjà passé, ok. Alors ok du coup là il y aura la grosse montée. Heureusement que j'ai mis aussi des trucs comme ça. Bon il y a vraiment beaucoup de rampes accélérées hein. Ça vous l'aurez aussi remarqué. Donc là en fait non, tout simplement on continue comme ça, voilà. Donc là on continue parfaitement. Voilà. Là voilà, du coup là, là c'est plutôt pas mal. En fait on descend plusieurs fois, mais là j'ai un peu eu un bug. Donc merci. Et pas encore tout à fait au point, bon ouais vous avez compris le système. Puis on se remet comme ça, tac. Et là voilà. Et donc là tout simplement on descend dans l'eau. Donc ça c'est ça qui m'a pris vraiment beaucoup de travail. Surtout d'alimenter les rails et tout, parce qu'à chaque fois ça les détruisait. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Je suis aussi assez fier, surtout que c'est un assez long tunnel. Alors là on remonte. Et là, là merci du bug. Là du coup là on continue comme ça et là ben là on reprend le chemin lequel j'étais allé à pied tout simplement avant. Voilà, bon, désolé si on voit vraiment rien, mais de toute façon vous l'avez vu avant. Donc là il y a un petit lapin qui a décidé de faire une petite baignade. Et il y a un autre deuxième petit train qui continue toujours à rouler. Alors shift, voilà. Tu descends et on va tout simplement maintenant mettre ça. Tu peux tout simplement le jeter, voilà. On va tout simplement tester maintenant le petit mode solo. Alors slash 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 game mode 0, voilà. Et du coup maintenant on va tout simplement tester déjà la potion chance. Et ça donne quoi en fait? J'ai pas l'impression que ça donne beaucoup de choses. Chance, ouais. Bon alors du coup là la potion de jam, ça vous connaissez hein, hop là, vraiment plutôt pas mal aussi. Je suis enfin content qu'ils l'ont mis parce qu'au début il fallait faire une manipulation et tout avec des commandes blocs. Donc maintenant c'est plutôt pas mal. Aussi, donc, alors. Ah ouais. Ah, ok. Ok. Alors du coup on va tester les petites flèches. Donc là, on tire, ça change pas. Hein. Donc là vous voyez, non si je vais là. Non, non, il faut qu'elle m'arrive dessus. Bon, alors du coup on va faire ça comme ça. Tu vas tomber où? Ok merci. Ah, pas faire un big haut lancé. Voilà c'est pas mal. Donc là vous voyez dégâts. Donc là j'ai reçu des dégâts. La prochaine flèche c'est quoi? Vision nocturne. Ok alors. Voilà et du coup là voilà donc là vous pouvez voir en gros que en haut que j'ai la vision nocturne. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et maintenant je vais vous montrer la toute grosse nouveauté de la 1.8, enfin de la 1.9. Alors game mode 1, voilà. Puisque tu veux pas. Voilà. Alors maintenant. Tu vas juste monter en haut. Du coup, si bien je suis parti en sprint, du coup on va monter beaucoup plus vite. Allez, allez. Franchement, ce truc c'est vraiment mon coup de cœur de la 1.8. C'est vraiment pour ça que je voulais vous présenter la vidéo. Je trouve ça juste complètement énorme. Au début, je savais vraiment pas à quoi ça servait. Et puis quand j'ai découvert, c'était juste vraiment énorme. Alors, on va juste un peu aller vers là-bas. Ça, j'ai bien pouvoir voler jusqu'au peut-être bien jusqu'au bateau. Je dis spoil maintenant. Bon, enfin bref. Alors du coup, on est là comme ça. Voilà. On va l'équiper. Donc pas l'équiper là, hein, sinon c'est dans la deuxième main. Tout simplement. Ce qui est un peu dommage, c'est que si tu mets ça, en fait, t'as plus l'armure. Alors, du coup, il faudrait tout simplement mettre dans l'inventaire. Enfin, bref, du coup, on va se mettre en survie. Car je pense que c'est beaucoup plus stylé. Voilà, game mode 0. Et donc, maintenant, vous êtes prêts, les gens? Tac. Et là, je vais juste vous mettre en F5. On vole. Voilà, c'est juste tout simplement magnifique. C'est vraiment pour ça que je voulais vous faire la présentation de ce mode. Donc, là, vous voyez, c'est vraiment un truc de ouf en fait. C'est le truc d'avoir fait ça là, je trouve que ça c'est vraiment, ils ont beaucoup marqué pour Minecraft.
Ils en avaient perdu là, mais là ils en ont fait beaucoup. En tout cas pour moi, personnellement pour moi. Voilà, du coup là il y a le bateau. On va juste le manger. Super. Voilà, cool. Ce qui est un peu dommage, c'est que là on continue toujours à voler dans l'eau. C'est un peu juste le seul défaut, mais à part ça c'est vraiment plutôt cool. Voilà, il suffit juste de faire ça. Voilà. Donc franchement, très très grosse nouveauté. Hein. Franchement, j'adore, tout simplement. C'est vraiment volé comme ça, c'est vraiment pas mal. Si vous avez Minecraft, les gens n'hésitent vraiment pas à faire un 1.9. Normalement, il me l'a fait automatiquement, donc non, vous aussi. Il n'y a pas besoin d'installer les mods et tout. Non, ça va. Alors, on va bien monter, bien monter, bien monter haut. Quand même, pas trop. Ça va, je suis content, il me fait plus bugger, à part ne plus charger les chunks, ça va. Donc là, vous voyez que là, on est déjà beaucoup plus haut que le train ou que les rames, enfin bref. Du coup là ça me paraît plutôt pas mal. Alors slash game mode et 0. Voilà, alors tu vas juste rapidement voler. Et voilà. Et donc là c'est vraiment vraiment un truc de ouf. Voilà, franchement c'est vraiment. Ça c'est vraiment un truc que j'adore, j'adore, j'adore. Je tiens aussi à préciser qu'il y aura peut-être beaucoup plus de vidéos Minecraft dans les prochains temps sur des serveurs et tout ça. Ouais, parce que j'ai le premium. Hein. J'ai le premium tout simplement. Là c'est quoi comme île? Ouh là, tu vas te calmer direct là. En mode faucon là, tu vas te calmer. Hein. Alors. Oh merde. Oh merde, oh merde, oh merde. Ok, on va se manger un truc en plein fouet. Ah bah non. Ah, petit contrôle tranquille, on gère déjà. Bon allez, game. Non. Game mode 1. Voilà, parfait. Et à part testant que la soupe de betterave, il n'y a pas vraiment grand chose à tester. À tester, on va quand même la tester. Je vois vraiment pas pourquoi jamais tester. Le purple, j'essaierai de faire une vidéo spéciale dessus. Si je trouve, je crois que c'est un. Je pense que c'est une autre dimension, à mon avis. C'est une autre dimension. Si c'est vraiment ça, ce serait plutôt pas mal. Ou alors, c'est tout simplement un truc. Alors, on va déjà tester. Déjà, tu vas te remettre en normal. Voilà. Alors, betterave, ça donne combien? Ouais, pas énorme. Et soupe de betterave? Pas énorme, énorme, énorme. Pas énorme. Pas énorme, ouais. Ouais, mais ça va plutôt pas mal. La soupe de betterave, ça donne plutôt beaucoup. Ça, je suis plutôt content au niveau de ça. Ok, bon, du coup, je crois que j'ai à peu près tout présenté, à part les blocs. Mais à part ça, par contre, gros, je t'en ai présenté. Bon, la betterave, c'est juste des plantations. Ça change pas non plus. Blocs, c'est vraiment tout ce qu'il y a, je crois. Hein. Ouais, le reste c'était déjà là. Ouais, il y a vraiment juste ça, en fait. Et le bloc de laine, je crois qu'ils ont rajouté, c'est celui-là en brique. Alors bloc de laine, c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal comparé à l'autre qui était. L'autre c'était comment? Il était. Non pas sable. Grès, grès. Là. Ah, donc au début c'était celui-là. Maintenant on a celui-là. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est aussi un bon avantage. Mais donc je pense que si y a ce bloc, il doit forcément y avoir une dimension aussi. Comment on fait déjà pour aller dans l'aile? Ah oui, il fallait trouver le portail et tout. Ah oui, c'est un truc super chaud ça. Bon alors. Alors, tac. Ouais, ensuite tac. Et ensuite tac. Non. Ensuite tac. Ah donc franchement, super beau bloc. Celui-là il est plutôt pas mal en version brique. En version escalier aussi plutôt. La dalle aussi vraiment. Ben, dalle c'est tout simplement la brique. Hein. Ça change pas. Celui-là c'est un peu un bloc spécial. Voilà, donc ce sera plutôt pour un genre de pilier comme ça. Et comme ça on finit par la maison. Tac tac tac, ouais, j'ai les idées que j'ai. Oh, c'est la merde. Ah bon, bref, allez hop, tac, on casse tout. Ok, et du coup, maintenant, si je veux par exemple aller à l'under, il faut que je fasse quoi? Ok, alors déjà, on va y aller. On va y aller, on va y aller. Ouais, je suis dit. Tac. Tac. Ouais, bon, simplement sprint. Je sais, on a combien de temps de vidéo? On est à 19. Ouais. Bon, faudrait pas que non plus que ce soit trop trop long. Alors, tu me le mets toujours là-bas? Ouais, tu me le mets toujours là-bas. Ok, bon, on va pas aller plutôt loin. Puis au pire, on fait demi-tour. À mon avis, ça doit être là quelque part, un truc dans le genre. Ah. Utile la base militaire, non, jure. Ok.
Ok. Donc là. Ok. Alors, on va juste tester. Juste aussi remettre un petit bloc comme ça. Voilà. Ou je vais peut-être l'aménager. Ou c'est quoi? Je vais peut-être l'aménager. Alors, du coup, tu descends, tu descends, tu descends. Désolé pour le clic de nouveau. Enfin, les clics plutôt. Oula. Oula, on se calme. Ok, alors, du coup, plutôt petit bug. Plutôt petit bug. Alors, tac. Alors, on l'a vu nulle part, t'es sûr? Pourtant, c'est là que ça s'affiche. Non, ça devrait juste pile être là. Oula. Ah, là, tu fais quoi là? Allez, moi, je pars en plus chercher pendant 15 ans. Alors, soit t'as un petit bug, soit c'est que c'est là quelque part. Ouais, c'est pile là. Regardez un sein. C'est pile là. Bon. Bon, c'est quoi, petite technique? On va faire la TNT. Comme ça, on va bien découvrir. Au pire, on pète le portail, on est un peu dans la merde. Alors. Ok. Allez. Ok, perso, j'ai un peu à en trouver. Alors, soit c'est un gros bug. Soit, je sais pas du tout où il est. Ah mais non, ça devrait juste pile être là. Hein. Pile, pile, pile. En plus, il y a le zombie. C'est-à-dire qu'il y a une grotte quelque part. Les zombies, ils vont par là, non? Tac. Voilà. Tac. 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 Ah, je crois que j'ai vu une petite bibliothèque. Ou non? Non, pas du tout. Et mais ici, il y a forcément quelque chose là, c'est pas possible. Tout cas, on finit sur un épisode explosif, plutôt pas mal. Je suis sûr que c'est là. Montre, 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 montre. Où est-ce que tu me présentes? Ah bah putain, moi je suis con. Alors, vision nocturne. Tac. Ok, donc désolé pour la cloche, les gens. C'est tout simplement l'appel de la fin. Je peux pas vous mentir. Alors, c'est juste pas du tout ici. Ok. C'est forcément ici, là, quelque part. Là, c'est la bibliothèque. Ok. Alors, bon, bibliothèque, ça change pas. Ok. Au moins, on a déjà découvert le temple. C'est plutôt pas mal. Alors. Ah putain, bon, alors. Tac. Tac. Et là il y a rien, il y a rien. Ok. Ça bug déjà un peu de nouveau plus. Du coup on va juste un peu monter. Ok, leur tour de garde. Oui, il y avait quoi? Ok, c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde chez vous quand même. Hein. Il y a un truc qui a pas trop de sens. Alors, ok. Prison. Prison. Et ben c'est tout. Et ben c'est tout. Oula, tu vas où là? Déjà, on va se calmer. Tu vas où? Wesh. Ah, bah voilà, petit passage secret, non? Pas du tout.
Alors soit tu veux plus en envoyer, soit tu pars tellement vite que je te vois pas. Ok, alors tu veux juste déjà poser un petit truc, ok, c'est bon, ça marche. Ok, d'accord, bon, du coup, je crois pas qu'on va te retrouver parce que là, sinon l'épisode va clairement durer trop longtemps. Et en plus, moi, je dois vraiment bouffer parce que j'ai super faim, voilà. On va pas se mentir. La faim, c'est l'envie irrésistible. Bon, alors. Ah ouais, du coup, franchement, c'est vraiment tout ce qu'il y a. Donc, c'est vraiment pas mal. Enfin, vraiment pas du tout pas mal. Ah, tu veux juste remonter? Je suis un peu déçu, j'ai pas trouvé le portail. Plus il y a de l'eau là. Ah ok, d'accord. Ah, ok. Tranquille comme ça, il n'y a pas de soucis. Vraiment pas de soucis, on se connaît et tout. Non, pas du tout. Alors, ouais. Ok, bah nous on va tout simplement quitter et je vais tout simplement faire le Chubby Peace. Alors. On va se quitter sur quoi? Moi je propose qu'on se quitte sur un petit fly. Voilà. Voilà. Allez. Enfin, tu veux juste un peu sprint. Oh putain, tu saoules déjà. Allez, et tac. Voilà, parfait. Ah, ensuite. On va se quitter, ouais, sur le haut de ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Allez. Oula. Arrête de bugger, s'il te plaît. Ok, on se rapproche. Parfait. On va juste un peu aller plus haut. Voilà, comme ça me paraît plutôt pas mal. Alors, slash, maintenant tu vas faire les petites flèches. Voilà, game mode 0. Alors. Et donc, voilà, c'est bien en vol. Parfait. Avec une vitesse de malade, une vitesse de damn. Bon, enfin bref, du coup, les gens, j'espère vraiment que cet épisode vous a fait plaisir. Par contre, je dois un peu vous quitter sur cet écran. Désolé. Ou alors, non, peut-être pas. Ah, mais si, de toute façon, quand je vais faire comme ça, ouais, pour quitter. Ok, bon, alors, les gens, j'espère vraiment que cette vidéo vous a fait plaisir. En tout cas, bah, comme d'habitude, ça m'a fait plaisir de la faire. On va tirer sur la petite piscine. Ok, non, pas du tout. Alors, c'est qu'elle a fait une terrible chute. Bon, alors, du coup, vous pouvez voir qu'on respawn dans le petit lit. Donc, plutôt pas mal. Ah, bon, on va quitter, hein, sauvegarder, quitter, voilà. Donc, vraiment, les gens, moi, j'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. En tout cas, moi, comme dit, ça fait plaisir de la faire. Ça m'a surtout fait plaisir de faire une vidéo sur Minecraft et surtout sur la 1.9. Ça, si c'était vraiment plutôt pas mal. Et donc, les gens, je vous dis. dis.